Oula, pourquoi je m'entends? Merci. Alors, c'était pas fort que pour vous, c'était fort aussi pour moi. Hein. On va le dire comme ça. lave tes cheveux. Mais ils sont propres mes cheveux. Ça raconte comme bêtise. Plus petit que 3. Ah bah oui, c'est un bon chai. C'est un bon chai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, oui, non mais ça ne vous a... Moi aussi j'avais le son à fond dans mon casque. Donc moi aussi je suis mort. Voilà, c'est à peu près comme ça qu'il faut le dire. Donc bref, allez. Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Pokémon Salty Platinum. Alors, on va commencer directement directement par des combats de boss, ce qui ne me plaît guère. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a une nouvelle équipe. Il y a une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui est prête. Regardez ça, oh là là. Et là, vous allez voir, mon dieu, les mecs, il y a 5 Pokémon. Il n'y a pas 1, il n'y a pas 2, il y a 5 Pokémon. Pourquoi j'ai dit il n'y a pas 1, il n'y a pas 2? D'ailleurs, j'avais un sprite à mettre. Oh là, parfait. Oh là là, mais regardez comme c'est beau. Voilà. Et oui, j'ai entraîné les Pokémon. Et regardez, je suis passé à 5 Pokémon, donc évidemment... De la semaine dernière, il nous restait... Ah bah non! Non, il était mort lui aussi! Donc, alors attendez. On avait fini la semaine dernière avec plus que 2 Pokémon dans la team. Il restait que Kaibitus, hein, donc le fameux Kaibitus, évidemment, hein, de type Sol-Feu, le Typhlosion spécial. Il a Ébulilave, Séisme, Rayon Gemme et Toxique. Nous avions aussi, évidemment, le Canapé. Canapé, point ombre, vampipoint, larcin et point éclair. Larcin pour voler les items étant donné que j'ai perdu mon Ixon. Mais du coup, on a eu des morts et qui dit mort dit qu'il faut que je remette ma caméra un tout petit peu mieux. Voilà. J'ai perdu Ernestine qui était Ernestine 2. Donc on l'a remplacé. Non, c'était Ernestine 3, je crois. Donc en tout cas, il a été remplacé par Ernestine 4 hein, parce que évidemment, on a. Une full flopée de Ernestine. Donc, vous allez voir, il y a très peu de différence. Hein. Il a globalement les mêmes attaques. C'est juste que Ernestine, de base, il avait Rapace. Celui-là, j'ai préféré lui mettre Toxique parce que j'ai l'impression que Toxique va être très utile à partir de ce moment-là du jeu. Donc, finalement, j'ai pas besoin de Rapace. Surtout que Rapace est souvent détrimentaire. Et on a 2 nouveaux Pokémon. Le premier Pokémon que j'avais rajouté, c'était Cleaver, le Cizayox. Parce que je me suis dit que quand même, avoir un Cizayox, c'était trop stylé. Et du coup, voilà, il a la nature pressée, donc ça, c'est pas ouf. Mais il a quand même une très très bonne stat. Il a du coup un moveset assez cool. Alors, il a pas technicien. Il a pas technicien, donc c'est chiant. Merci pour tes vidéos. Ah, une maman anonyme. Merci maman anonyme, merci beaucoup. Donc il a Dance Slam, il a Aile d'Acier, il a Pistol Point et il a Play Croix. Il n'a pas accès à technicien, donc Pistol Point n'a pas énormément de puissance. Mais bon, je lui ai mis Aile d'Acier, donc je suis content, ça c'est bien. Et en dernier, nous avons Ferdinand, qui est le nouveau Pokémon, ces fameux Brouabam. D'ailleurs, c'est celui que j'entraînais tout à l'heure, d'ailleurs, c'est le dernier que j'ai entraîné. Merci. Et du coup, lui, il a une bonne nature en plus. Ouais, ça va. Voilà, il a anti-bruit et il a un super moveset. Je lui ai mis Mégaphone. Il a appris Tornade Creuse à cause d'un bug, je crois. Donc du coup, bah, je le garde. Qui est une nouvelle attaque hein, de type... qui est trop fort, une attaque de type vol. Qui, je crois, a les effets de triple attaque, mais version vol et tape un peu plus fort. Depuis la prison de Nanterre, change pas, t'es un bon d'accord, mec. Merci, mec. Je savais pas qu'on avait internet dans les prisons. Et enfin, nous avons Surf et Change Éclair. Donc, Surf, ça sera bien pratique pour pouvoir surfer. Change Éclair, je trouve que c'est plutôt utile. Du coup, ça en fait un bon
lead entre guillemets, et voilà, c'est ça du coup pour le truc. Tes Pokémon sont niveau 60 mais tu n'as que 2 badges. Bah oui. Donc du coup, bah écoutez, on va lancer, hein, je pense. Non, alors celui-là on l'avait fait. Oui, d'accord. Donc là, on a fait Picroche. Donc maintenant, il faut qu'on fasse Iceberg. On va commencer avec la glace. La glace. On va voir s'il a que des Pokémon de type glace. Non, en fait, c'est des teams. C'est des teams Hail, genre de truc, ouais. Bon, bah écoutez, on va mettre... On va lancer. C'est un peu difficile de lancer directement avec un combat de boss, mais bon, hein, on y va. Montre-moi que ton âme est froide comme la glace. Alors, Kémorse avec la grêle, forcément. Bon, on va faire changer clair. Ah, il a abri. Ok. Super. Alors, j'aime bien, ça commence bien, c'est bien. C'est un Kémorse abri, je sais pas quoi. On fait zéro dégâts. Ah oui, c'est vrai que l'attaque change éclair est très lente. C'est vrai que j'avais oublié ça. Alors, on va mettre canapé. Je suis trop stressé. Je suis trop stressé qu'il y ait un boss direct parce que t'imagines si je perds direct, j'ai aucune... Oula. Putain, les dégâts. C'est pareil, les dégâts sont tellement insane. Ah, il a les restes. Je pourrais lui voler les restes. Ah putain, on va lui voler les restes, les mecs obligés. On lui vole les restes! Oh là là. Attention, pas de flinch. Pas de gel. S'il te plaît. Ok. C'est bon. On a les restes. On a les restes. Et vampipoint. Oh là là, le vampipoint. Le bug des 5 minutes, évidemment. Oh, donc on devrait le tuer avec... Non, il a tanké. Putain, ça fait tellement peur. Bon, ça va, il fait pareil, ça. Oui, le bug. Du coup, là, il a plus les restes. Mais moi, j'ai les restes. Hop, oh là là. Canapé reste. Tellement bien. Tu vas pas mourir. On va essayer de pas mourir. Mais déjà, c'est bien parce que regardez. Premier Pokémon et on finit full life. Donc ça, c'est trop cool. Ferdinand, niveau 61. Premier level up du jour. Et on récupère de la vie. Ça, c'est trop cool. Des petits passiers. Togekiss. Bonsoir. Très content de t'avoir rencontré. Alors, merci beaucoup. Togekiss. Bah, on a Ernestine. Togekiss, on a Poison Croix. Ce truc n'a pas accès à des... Ah putain, il a tanké. Oh, par contre, on l'a empoisonné. Lame d'air, attention les dégâts. On commence bien. Non, alors notre team est très forte. Et il souffre du poison. Oh là là, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Régis. Ah ouais, putain, Régis. Bah, on a Cleaver. On a Cleaver, on a Kaibitus aussi. Bah attends, depuis quand Régis a des attaques de type... Régis n'a pas d'attaque de type feu. Merci pour tout, c'était très sympa. Non, c'est bon, il a fait abri. Accent circonflexe, très joli, mousse d'idule au passage. Ah, merci beaucoup. Je me rappelle de toi. Oui, parce que je dessinais les Pokémon préférés des gens. Non mais attendez, là, on a setup là dans Slam. On fait Eldacier là. Oh là là, Cleaver! Oh la danse l'âme placée! Parfait, Cleaver! Ok. Ténéfix! Bon, on continue. Ah, il a peut-être farceur. Non. Merci beaucoup. Ah oui, non, alors par contre. Galopa. Alors Galopa, non. Plus petit que 3. Oh non, il a tunnelier. Ouais, ça va, je le tank. Un crit et c'était tendu du cul. Plus petit que 3, c'est dit. Merci beaucoup. Oh mon. Mais non, pourquoi je sais? Ah oui, c'est le bug des 5 minutes. Avaltou, ça va être le dernier poké. En vrai, Avaltou, c'est un type. Qu'est-ce qu'il a pour me passer, Avaltou?
Ah, on n'a pas vu Ferdinand encore. On n'a pas vraiment vu Ferdinand faire le taf. C'est gentil, merci beaucoup. Il a abri. Un mégaphone qui touche shot même pas. Par contre, le blizzard qui rate. Ah, en... c'est quoi son objet? Oh, il a boue noire. Ah, j'aurais pu, j'aimerais bien voler la boue noire, mais bon. Pourquoi Avaltou ne prend pas? Il est peut-être type glace dans ce jeu. Bon, par contre, c'est chiant. Alors, attendez, on va essayer Tornade Creuse. Il tente le double abri. Ça s'est bien placé, la convention. C'était très, très bien. C'était très, très bien, la convention. C'était vraiment très bien. Je crois qu'il sait faire que abri. Ouh là là. Pas de freeze. Non. Ah, mais je prends pas de dé... Ah, mais il a le talent de comment il s'appelle, de... Il a le talent de d'aquaquac. C'est pour ça que je comprenais pas ce qui se passait. Poursuis ta route et garde cette volonté lisse comme la glace. Ah, mes Pokémon sont soignés en plus. Oh là là, ça y est, on a vaincu le premier boss. Et il me donne un truc ou pas? Dans les pas de notre maître sur les dalles lumineuses, il te faut marcher. Voilà. De cet enfer. Petit passier. Je me suis fait larguer aujourd'hui. Ton live. Oh, courage. Petit que 3. Alors, courage. Petit passier. L'île de fer. L'île à tout faire. De la Paris manga et je l'ai encadré plus petit que 3. Il faut que je trouve le bon ordre. Merci beaucoup. Bah, ça fait plaisir. Bon, alors attendez. Alors, mais fer. L'île de fer. On lead avec qui contre l'île de fer? Kaibitus? Alors, attendez. Déjà, je vais prendre les restes. Je vais lui donner les restes. Parce que du coup, je peux revoler des restes. Si j'arrive à avoir des restes sur tous mes Pokémon, c'est tellement gratuit. Enfin, c'est gratuit, non, mais c'est tellement bien. Allez, c'est parti. Montre-moi que ton âme est solide contre le, comme le fer. Allez, c'est parti. En vrai, on a quand même des Pokémon forts contre le... Oh, putain de la reine. Mais évidemment, mais d'où... C'est pas logique. C'est pas logique du tout, les mecs. C'est genre pas logique, ok? Oh, par contre, oh, oh, le coup critique de Ferdinand! Oh putain, une reine. Quatox. Quatox, ça a pas d'attaque haut. C'est peut-être le seul moment où. Et là, il a point haut. Non, il a pampi point. Pour réduire la faiblesse feu. Oui, d'accord, oui. Oui, d'une certaine manière. Oh, il a l'orbe vie. Mais l'orbe vie, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, Quatox est fait. Next. Tempête sable. Oh, ça pourrait être intéressant juste pour ce fight, hein. Si j'arrive à placer la tempête sable pour casser la pluie. Mais bon. Tritosaur. J'ai pas d'attaque plante. Mais il a forcément les restes. Il a forcément les restes. Enfin, je pense qu'il devrait avoir les restes, donc on va lui voler les restes. Je me suis marié aujourd'hui, ton live me redonne. Oh non, merde. Oh non, mais attendez, merde. Oh là là, les dégâts. Oh, non, oh, il m'a brûlé par contre. Ton live me redonne le sourire. Je me suis marié aujourd'hui. Oh, mais c'est chiant. En plus, il a. Oh, il a vraiment les restes en plus. Mais par contre, du coup, maintenant, comment je fais là? C'est quoi la, les baies anti-burn? Je crois que j'ai rien. Hein. Ah si, attends, baie fraîve. Que penses-tu de l'activité? Oh, mais il va utiliser. Il va me brûler à chaque fois là, ce bâtard. Mais putain, évidemment qu'il va me brûler à chaque fois. J'en pense qu'ils ont une vie sexuelle très active, très agréable. Non mais c'est bien ce jeu, hein. Non mais j'adore revenir sur Pokémon, vous savez, c'est des grands moments, hein, c'est des grands moments. Bon.
petit passier. Là, il me baisse mon attaque, ma défense spéciale. Combien de likes je fais le prochain donjon mystère? 4000 pouces bleus. En vrai, dans Pipoint, j'ai même... Je peux peut-être... Ah non, ça fait 0 sans... à cause... Oh putain... Ah, ça fait trop mal. Il m'a crit. Oh là là... Putain... Trop mal. Bon. Les mecs, c'est compliqué la vie, mais on peut y arriver. Juste ne pas me crit. Oh, j'aurais peut-être pas dû dire 4000, mais... Ah oui, mais en fait, vous êtes déjà presque 6000. Bon, attendez, 5000. Non, non, attendez, 5000. Non, parce que c'est quand même donjon mystère, les mecs. Me faites pas faire du donjon mystère comme ça. Surtout que là, je suis déjà en train de galérer. Non, non, non. Attendez. Attendez, calmez-vous. 100% de chance de burn. Bon, j'ai dit 4000. Ah, putain, j'ai parlé trop vite, j'avoue. Ça va, la brûlure. Non, mais y a pas de souci, hein. On te dit si... Tu me dis si je te dérange. Sinon, en vrai, je devrais juste pas mettre ce poké, non? Mais le problème, c'est que c'est le seul qui peut tanker, je pense. S'il est très bulky. Est-ce qu'on va devoir vraiment, genre, legit, pépestole le truc? J-4, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi, mon ami? Bon, d'accord, ok, c'est bon. Si vous atteignez 4000, je ferai Pokémon Donjon Mystère. Pour essayer. Au moins, non, attendez. Au moins un live. On m'a dit jouer à Donjon Mystère. Aucun mort après 10 minutes de live. Attends, j'arrive. Mais non, mais j'arrive pas. Déjà je peux pas passer le Pokémon. Parce que il est en train de me spammer des ébullitions et qu'à chaque fois que j'essaye de me soigner, il me brûle. Donc déjà, c'est compliqué, tu vois. Allez. Putain, mais il me reste que 3 béfrèves, quoi. Putain. S'il te plaît. Oh. Oui, mais le problème, c'est que maintenant, il fait trop mal. S'il me crit, il me tue. Donc là, en gros, je dois pas être paralysé pendant deux... Doit pas être brûlé pendant 2 tours, mais c'est impossible. Attention. Là, j'ai une chance. Ah, merci Michou, hein, pour ces infos. Allez. J'en peux plus. Merci beaucoup. Non, mais c'est abusé, là. Putain, je me suis fait brûler. Combien de... Je me suis fait brûler 4 fois où? Ou 5 fois, enfin. Switch. Alors, donne-moi un Pokémon dans ma team qui peut tanker des ébullitions sans souci, à part Canapé. J'en cherche un. Hein. Non, mais ça va passer. À un moment, il aura pas d'ébullition. À un moment, il aura plus d'ébullition et puis ça passera, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Hein. C'est mathématique. Il a que 15 ébullitions. Heureusement qu'il n'y a pas les PP les PP max dans le jeu. Bon, j'accélère un peu parce que c'est pas très intéressant. Mais... J'accélère un peu pour qu'on puisse faire d'autres choses quand même de mon live. C'est vraiment très intéressant. Hein. Ok, c'est bon. Il a plus d'ébullitions. Donc là maintenant, ok. Donc là maintenant, on peut enfin se débrûler. 4K, tu fais un live. 5K, tu fais le let's play. Aïe. En vrai, il me touche plus, non? Attends, il touche plus mon Ernestine maintenant qu'il a que Tellurie Force. C'était vraiment très intéressant. J'espère que vous avez kiffé. Hein. En vrai, on peut le toxique. Hein. Vous savez quoi, on va le toxique? Est-ce qu'il a laser glace? Il me touche pas. Parfait. Bon, alors attendez, du coup, on va pouvoir s'enlever la brûlure. Bah, le hack, ça a un peu joué quand même.
Ah c'est bon, il a que soin en fait pour me passer. Parfait. On va pouvoir se soigner et tout, ça va être bien. Ok, petite super potion. Je sais que c'est pas très amusant, mais en même temps, c'est le moment où je peux le faire. Littéralement, il peut pas me passer, donc... T'avais mis canapé pour faire l'arsen. Oui, mais il a glu. Donc je ne peux pas faire l'arsen sur un Pokémon qui a glu. Voilà. C'est bon, allez, on est full life. Maintenant, on va pouvoir le bourrer. Lui bourrer l'anus. Vous imaginez, d'ailleurs, je me disais... Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Bourg-la-Reine, ici? S'il y a des gens qui habitent à Bourg-la-Reine, comment vous vous sentez d'habiter à Bourg-la-Reine? Parce que quand même, c'est hyper, hyper sexuel, Bourg-la-Reine, c'est... Quand même. Allez, c'est bon, on va gagner tranquille. Bon, on finit full life, hein. Mais c'est juste que... Il était chiant, hein. Bah, en même temps, s'il m'avait pas brûlé 8 fois, ce serait bien. Bon, j'accélère un peu, hein. Vous m'excusez, mais ouais. Voilà, là, il est mort. Vampirisme. Allez, c'est bon. Tellement dark et glauque, le fanart. Ouais, il est cool, hein. Je suis né à Bourg-la-Reine. Ah, monte le son du jeu. Oh non, il est assez fort. C'est à vous de monter le son, si vous... Oh, il a Dracolos. Oh putain, Dracolos. Attends, en quatrième génération, il n'y a pas multi-écaille, donc on est bien, en fait. Ferdinand, c'est à toi de jouer. C'est vrai que j'ai pas laser glace. Ça va faire très mal. En vrai, c'est chaud. On va faire tornade creuse pour essayer de paralyser. Ouh, il a le vent violent. Ça fait pas trop mal, ça va. Non, non, alors, juste, vous êtes mignon, mais vendredi, je suis même pas là, en fait. Ce sera pour la semaine prochaine. Oh, voilà, et le burn, parfait. Par contre, allez, s'il te plaît, pas de confusion, pas de crit au moins. Mais j'en ai marre de monter en niveau des Pokémon, parce que de toute manière, on sait ce qui va se passer. Voilà, à chaque fois, j'ai même pas le... J'ai même pas le temps de m'attacher à un poké. Parce que évidemment qu'il va prendre du crit. Mais je reste calme. Je ne me sale pas. Je reste calme. Pas du tout. Putain, en plus il fait le salut d'Hitler l'autre là. Putain. T'as fait exprès. Mais non. Il m'a crit. Je peux pas anticiper les crits. Je suis obligé de jouer. Oh là là. Il a duré 20 minutes, le Pokémon. 20 minutes. 20... Je reste calme. Oh putain, c'est un Registeel abri toxique en plus. Oh. Attends. Il a les restes. Oh, il a les restes. Je vais aller lui voler les restes. Attendez. Vu, on est d'accord, ce truc ne me touche pas de toute manière. En plus, il tente les doubles abris et tout. Menteur, t'as fait exprès. Ouais, j'ai fait exprès, ouais. Ça m'intéresse, moi, de monter des Pokémon pendant une heure au niveau 60. Hein, parce que vous croyez que c'est rapide de monter des Pokémon au niveau 60? Bon, c'est pas si long que ça, mais... Au moins, on a récupéré des restes. On a récupéré deux restes. Non, c'est bon. Je reste calme. Vous savez pourquoi je reste calme, les mecs? Parce que, finalement... L'important dans la vie, est-ce que c'est pas de rester calme? Genre, imaginez un jour, vous arrivez chez vous, et là, il y a un gars qui baisse votre femme. Est-ce que vous restez calme? Je ne suis pas si... J'avais raison, Loax n'a pas joué plus que... Ah putain, j'avoue. On reste calme dans la vie. Game of Thrones, tout le monde meurt. Oh, pour roi. Oh, j'aurais dû mettre la Sandstorm. J'aurais dû la mettre la Sandstorm. En vrai, c'est canapé, mon meilleur. Oh putain, il va tellement me faire mal. Il va tellement me faire mal. Non. Quoi? What the fuck? Ok, allez, au revoir. Bah alors, il pour roi, on tape comme une merde.
Merci pour vos dons, hein. Merci de votre soutien, comme on dit. Oh là là, zéro. Heureusement que canapé est là. Canapé avec les restes. Et... Ah oui, par contre, la trouille. En vrai, je me fais pas du tout disrespect sur ce live. C'est pas du tout vrai. Hein. Non mais... Allez hop. Oh putain. Non, quoi? Et là, coup critique. Non. Oh, parfait. La convention s'est bien passée. Oui, ça s'est super bien passé, c'était trop bien. J'ai envie de pleurer mon cœur saine. Mais moi aussi, j'ai envie de pleurer mon cœur saine, mec. Ah, je me suis fait tège. Bon, on a fini la zone. Ah, tous mes Pokémon sont soignés. Donc du coup, bah, voilà, et personne n'est mort. Moi, je vis à Couille en Suisse, c'est pas mieux. À Couille en Suisse, ouais, putain, c'est chaud. Petit passier. C'est vrai ça, il y a une ville qui s'appelle Couille. Laisse-moi t'accompagner dans cette aventure émoticône. Mais non, mais en vrai, je sais pas. En vrai, je vais vous dire très honnêtement, ça va. Vous savez pourquoi ça va? Parce que je veux dire, j'ai même pas eu le temps. Putain, mais regardez le nombre de morts. Merde, j'ai fait retirer Pokémon. Non mais c'est abusé. Regardez le nombre de morts. Attendez, regardez tous ces morts. Non mais... J'avais oublié que j'avais perdu autant de trucs. Qui se rappelle de Plume dans le cul, hein, au début? Qui se rappelle de Napoléon, hein, finalement, le premier Pokémon? Voilà, ils y passent tous, hein, c'est bien. Bon bah, au moins, on est revenu à 4 Poké. C'est déjà ça. Bon, alors... C'est Blaze Black, ouais, un peu en vrai. Alors, en vrai, on a les restes. Donc, on est bien. Ok, je vais où maintenant? Ici, non? Célestia. On se rappellera du mélo qui a duré 5 minutes. Oui, bah voilà, oui, c'est vrai. Je sais pas où je dois aller, hein, mais je pense que c'est par là. Ah, faut aller à l'île de fer. C'est pas du tout clair. Je dois retourner à l'île de fer. En fait, j'étais au bon endroit, du coup. Va parler à Pierre Rochard, d'accord. Eh ben, je suis con, voilà. Bonjour, je suis con. Non mais attendez, où vous voyez ça, vous? Où vous avez vu qu'il fallait que je fasse ça? Donc il est là, Pierre Richard. Bonjour, oh, il va m'affronter. Merci pour tout. Ah non, PP Max. Merci beaucoup. Ah, il est parti, voilà. Et maintenant, là, je fais quoi? Faut aller à la ligue maintenant. Ah oui, ouais. Enlève l'objet de ton poké. Bon, bah là, j'ai parlé à Pierre Rochard. Donc, je reviens en arrière. Oh non, mais attends, t'es sérieux? Non, je dois enchaîner deux boss plus une arène? Oh putain, t'es sérieux, mec? Champion d'arène est un nouveau, j'ai pas d'informations. Les Pokémon acier. Oh non, putain. Bon, attends, on a Kaibitus en vrai. C'est quoi son objet, Kaibitus, d'ailleurs? Charbon. Oh non, mais les mecs, mais pourquoi j'enchaîne trois boss? Je suis pas prêt. Tu vas le finir, ce let's play, oui. Il y a des morts, mais ça passe plus petit. Je sais pas, hein. En vrai, suffit. Pour l'instant, j'ai pas encore. Il y a pas un seul combat qui m'a tué complètement, en fait. Oh là là, putain. En plus, cette arène de l'enfer du cul. Sur qui se rappelle cette arène sur émulateur, comment ça laguait? Non, mais le mec, il a 8 magnétiques, quoi. Je devrais peut-être mettre feu follet à Kaibitus en vrai. Je vais lui mettre feu follet. On va adapter les movesets, hein. Galekid. Et là, il est niveau 1. Non. Ça aurait été chiant. Tu as fait exprès pour avoir des chiens en don, espèce de gratteur. Ouais, non, mais c'est ça, c'est vrai. Hein. Dinoclier. Tu pirates en plus.
Clink. Les champions d'arène n'ont pas de type, c'est vrai. Mais ils donnent des infos sur les compositions parfois. Non mais il est sérieux le gars, putain mais... Ouvrier Jackie quoi. Mais le mec il s'appelle Jackie. Jackie, ça vous fait penser à quoi vous? Vous pensez que c'est que des Pokémon sexuels? Ah putain ça... Avant ça laguait tellement, maintenant ça lague plus. De toute façon, cet hiver est le prochain Pokémon, les Deus Ex Machina. Oh, Pingoléon. Putain, si je tue pas avec séisme, là... Ah bah, il est intimidation, donc... Clairement, intimidation, je tente pas, hein. Pingoléon, il a intimidation. Oui. Oh, par contre, c'est trop bien d'avoir les restes. Oh là là, trop bien d'avoir les restes. Oh, le plaisir. Peut-être que je devrais mettre Arthur dit à ta maman séisme. De me pomper car je suis à sec là. Quoi? Tu sais que tu peux les acheter? Bah ouais mais je sais pas où. C'est marrant. Métallos. Ah oui d'accord. Petit passier. Ça va, gars? C'est bon, les morts sont toujours plus petits que 14, ça passe. Plus petit que 14, ça passe. Allez, Bulilave, oh là là, mais alors les Bulilave, par contre, de Kaibitus, au revoir, Métallos. T'imagines, il y a la vulné assurance dans le jeu. Et là. Cisaiox. Oh, très bien, ça. Allez. Pour l'instant, on peut pas trop utiliser Cisaiox parce que bon, on a rien. Merde. Oups. Putain, c'est bien, ça va vite maintenant. Avant, ça laguait, mais maintenant, ça va. La 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 la. Je vais y arriver. Merci. Nettoie tes sprites et change tes badges. Faut que je fasse gaffe aussi, il y a des Pokémon qui ont fulmifère et tout. Bon, lui, il est mort parce qu'il a une double faiblesse au type sol, évidemment. Tarinorme de merde. Pokémon Osef, hein. Un des rares Pokémon, on est content qu'il revienne pas, hein. Très honnêtement. Non, j'ai fait séisme, je me suis trompé d'attaque, mais c'est pas grave. Et j'ai un truc à vous montrer aussi. Ah oui, j'ai un petit truc à vous montrer. Petit truc stratégique à vous montrer qui devrait vous faire kiffer. Vous savez que j'ai reçu des mails pour le thé détox. J'ai reçu deux propositions pour le thé détox. Deux propositions, les mecs. Franchement, c'est pas mal. Putain, il y a des Lucario. Bon, en vrai, le type acier, quand t'as un feu sol, tu roules dessus. Hein. Est-ce qu'il y a des types acier qui sont neutres au type feu et sol à la fois? Je crois pas, hein. Non, parce que les piafs, ils sont... Je crois pas qu'il y ait, hein. Faudrait un... Ah bah non, il y a pas. Itran, bah non, il a une double faiblesse sol. Ah non, il y a aucun Pokémon qui est neutre... Itran ballon, ouais, Itran ballon, ouais. Noisier torche. C'est ça, ouais, bah oui. Acier sol, bah non. Le type sol n'efface aucune des faiblesses. Ah, mais à chaque fois que je parle de ça, Oacier, bah non. Oacier, c'est faible au type... Oh, il va prendre Zénith. Alors, Zénith, c'est sûrement mieux que Tempête ça, pour l'instant. Faudrait un acier au vol. Chenizel. Smogogo de Galar. Ouais, c'est vrai qu'il est... Il est... De type acier. Ce let's play est sponsorisé par les chocolats. Au vol. Non mais... J'ai pas dit un Pokémon. Non mais. Yak, demande à ton père d'arrêter de me pomper STP, je suis à sec. Eh ben dis donc, ça s'envoie des messages bien. Hein, ce que je vois. Merci beaucoup en tout cas quand même. Hein. J'essaie de revenir, hein. Merci. Pour aller me soigner.
Du coup, ouais, attends, il me reste un dresseur, je l'avais pas affronté lui, je crois. Ah si, non, bon, c'est bon. Je passe à la, au Poké Center. J'ai pas dit, est-ce qu'il y a un type qui résiste à la fois à, OS, à feu et sol, les mecs? Parce qu'il y en a plein. Ma question, c'est pas ça, ma question, c'est qu'il y a un type acier qui résiste, enfin, qui est neutre à ces deux types. Donc c'était même pas une question de... 5000 pouces bleus et tu fais la sponsor pour la thé. D'accord, ça me va. Ah mais j'avais pas fait celui-là. Y a pas, y a aucun Pokémon qui est pas au moins neutre à l'un des deux types. Tu acceptes la proposition du thé détox? Vous voulez absolument que je fasse des trucs pour thé détox? À 5000 pouces bleus, pourquoi pas si vous voulez, oui. Bonjour mystère, vous êtes où? En fait, vous êtes pas... spoiler alerte pour les fans de Pokémon Donjon Mystère, vous n'êtes pas si nombreux, en fait. C'est ça, le problème. Je me suis fait avoir. Oui, je suis tombé dans le panneau. Mais c'est pas grave, non, mais ça fait de l'XP. Ça fait de l'XP, les mecs. Mes tangs. Vous êtes 7000. Merci du fond du cœur d'être aussi nombreux. Oui, c'est génial. C'est ouf. Merci du fond du cœur. Ouvrier Thierry. Ouvrier Thierry se rappellera de vous. De vous. Allez. Du coup, comme on sait que les combats sont très durs et parfois très longs, qu'il y a des histoires de PP Stall, je préfère être full life, full vie, enfin full machin. Mamie m'a dit de te dire que ton joujou lui a redonné 20 ans de... Bon, Solène et Jean-Pierre, là, ça suffit, merci. Allez, c'était à gauche, du coup. Faut que je change le... Non, c'était pas du tout à gauche, merci Filon. Super. En fait, je m'étais pas trompé la première fois et maintenant je me trompe. C'est terrible. Ah, c'est là. Par le haut après, hein, c'est ça. Hein. Pas du tout. C'était par le haut, mais à droite. Yes. Bon, alors, attendez, je veux juste apprendre feu follet. Feu follet, feu follet, feu follet. Alors, on va mettre... Attendez, on va mettre séisme. À canapé. À la place de larcin qui me servira pas, je pense. 3200 pouces bleus après 40 minutes de live, c'est tout. Bah, c'est parce que je... Parce que aussi, j'ai... C'est un peu de la triche, aussi. Feu follet. On adapte les trucs. Ok, à la place de Zénith, clairement. Non, Zénith. Zénith, je pense pas que ça me servira. Après, c'est toujours bien d'avoir un climat au cas où, en vrai. Mais bon. Bah, on est bien, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Protection. Bon, allez. Ah si, attendez, je sais, j'ai une idée. On va mettre casse-brique à Cleaver. Parce que pistopoint lui servira à rien dans cette arène. Ok, donc là, on a de quoi passer les types acier. Allez, c'est parti, les mecs. Oh là là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Oh, j'ai 404 Pokédex. Erreur 404. Ok. Le second degré, c'est pas qu'une température. Respire. Respire. Un challenger, pas de backstep, que le combat commence. Sibarty, des habitués du Discord, évidemment. Alors, le problème, c'est qu'il a séisme, ce truc. En vrai, bah, il touche pas Ernestine. Oh, si, bah, si, je suis con. Avec l'âme de rock. Oh, il a les pièges de rock, quel bâtard. Putain, il me faudrait anti-brume, en vrai. Je te connais depuis ce LP, t'es cool et tu joues mal, JRIS, bref, t'es de tox. Yes. Merci beaucoup. Allez, le stab est super efficace, évidemment que ça one-shot. Coup critique, cela dit, hein. Ça se trouve, ça one-shot et pas. Hein. Métallos. En vrai, on pourrait setup Cleaver, mais bon. Bon, les mecs. Il a la baie anti-feu ou la baie anti-sol. En vrai, on peut feu follet.
Oh là là. Non, je me suis trompé. Bah oui. Je vais peut-être le brûler en vrai. Oh putain, allez, ça passe. Oh, il va pas one-shot avec, avec ça. Oh, il va one-shot. Oh non, il one-shot pas, c'est bon. Pisto point me tue pas, j'y résiste. J'aurais dû mettre des Pokémon à laisser mourir en fait, je suis trop con. Je suis trop en stress les mecs. Est-ce qu'il a un Pokémon haut? Le problème c'est que je passe Tortank. J'ai canapé pour Tortank, c'est le mieux. En vrai, Tortank. Tortank me touche. Ah non, il est acier. Ah bah, il est acier, c'est bon. Bah, attendez. Du coup, je vais pouvoir soigner mon Pokémon full. On va soigner Kaibitus. Tortank, je pense pas qu'il puisse faire peur à canapé. Coup critique. Putain, j'ai eu tellement peur, j'étais en mode what the fuck. Non, ça n'annule pas intimidation, Brismoul. Tu me crites pas, hein. Putain, il va me double crit. Hein. Bon, ça va, ça fait zéro. Comment ça se fait que ça fait zéro? What? Tout à l'heure, il m'a fait trop mal et là, il me fait zéro. Ok. Ok, vampi point. Putain, mais... Je mets des baies partout. Ça va, ça va. Du coup, ça... On va finir presque full live grâce à ça. Il est retiré. Garde-voir. Mais j'ai Cizayox. J'ai Cizayox. Cizayox n'a pas d'attaque feu. Putain, mais les dégâts, ça fait beaucoup trop mal. What the fuck? Mais attends, les dégâts? Mais Cleaver! Mais t'es un Pokémon ultra bulky, tu résistes! Et là, il a une attaque feu. Non, ça va. Attends, mais c'est quoi ces dégâts? Il me baisse mon attaque spéciale, donc c'est Osef. S'il me crit, je fais quoi, là? Il est Specs, hein. L'attaque spéciale baisse, on s'en fout. Allez, l'aile d'acier. Ouais, en vrai, ça... J'en ai marre. On dirait le gars qui a fait cette rom, il sait faire que ça. Genre, le seul truc dans sa tête qui marche, c'est d'affaiblir les faiblesses. Ouais, c'est pas grave. Ah, mais du coup, j'ai plus piste au point. Ah, voilà le crit. Mais au bon moment. Voilà le crit, mais les mecs, s'ils m'avaient crit avant, on était vraiment dans la merde. Ok. Psycho. Oh putain, il peut me baisser ma défense spéciale. En fait, il faut que j'attaque. On va faire play-croix, on est sûr de tuer. Pas de crit, pas de double crit, putain, s'il me remet un crit. Non, c'est bon. Aïe, 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 les fans de Donjon Mystère. Vous avez intérêt à regarder si je le fais. Karchakrok. Oh putain, Karchakrok, sérieux. J'ai pas d'attaque. Karchakrok. Mais d'où il a Karchakrok? Ça va. Oh putain, merci. Merci de ce noir d'exister. Ah putain, par contre, évidemment, il a la peau dure, mais ça va. Ça va, ça va. Putain, ça fait quand même vachement mal. Allez. Il a eu la troisième colère. Putain, je suis en sueur. Genre, littéralement, l'entièreté du live, c'est des boss, quoi. C'est bon, il est confus. En vrai, est-ce que je devrais pas... Non, j'ai trop peur. Oh oui, il se blesse dans sa confus. Ouais, c'est ça, en fait, j'avais trop peur. Merci, Albose. Je savais qu'il aurait une baie, et j'ai eu trop peur que ce soit une baie qui augmente l'attaque. Heureusement, c'était une baie... C'était pas une baie attaque. Mais j'étais pas sûr à 100%.
Si je m'étais soigné en attendant et tout, j'avais un peu peur. Et crémeux. Bon, crémeux, ça va, c'est facile. Il est shiny, mais ça va quand même. Il a point de feu. Ah, est-ce que c'est Elri? Eh, le vampire point. Oh. Allez. Tant qu'il me flie. Non, mais canapé, les mecs, c'est le plaisir de ce let's play. Toute la team repose sur lui. Hein. Bon, en vrai, c'est faux. En vrai, ils font tous le taf. Ils font tous le taf. Tortank, le dernier, évidemment. Petit passier. Le sweep de canapé. Ouais, ouais. Non, en vrai, c'est stylé parce que je dois réfléchir et tout. Merci beaucoup. Bravo pour ce combat. Voici le badge bouclier. Oh là là, les mecs. Ok, ok. Mais vous êtes tellement nombreux, pourquoi vous êtes nombreux? Ah, je sais, parce que le coronavirus vous force à rester à la maison. Je vais pas remercier le coronavirus, vous inquiétez pas, mais en tout cas, c'est ouf de voir que vous êtes hyper nombreux. Bah merci du fond du cœur d'être aussi nombreux, hein, c'est ouf. Pour 5000 pouces bleus, tu portes le foulard PDM pendant le live sur DX. Bon alors, merde. Arrêtez les objectifs de like. Lave tes badges. Bon franchement. Ça vous fait rire. Hein. Ça vous fait rire de me voir galérer. Hein. En plus, vous savez que ça me fait mal au poignet à chaque fois. C'est bon. Non, en fait, je dois le faire à chaque fois. Non, mais je vais pas le faire une fois par live, les mecs. Hein. Je suis une victime. Bah, j'ai stressé autant que toi, hein, mec. Putain, j'en peux plus. Ça marche pas, ça marche pas, c'est bon. Ça fait mal aux mains. 3800 CB, on like juste pour te troll et te voir souffrir sur Pokémon NDJ. Pokémon NDJ. Merci beaucoup. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font ça pour me troll. Non, mais... Oh là là, non, c'est une boule. Mais c'est de la merde. C'est bon, putain, j'ai lavé les badges là, mon mec. Mon père m'a ramené une dédicace de tour, je suis... Ah, c'était toi. Merci plus petit que toi. Ah, bah merci beaucoup, bah merci du fond du cœur, mec. Et puis j'espère que ça t'a fait plaisir. Mais t'étais pas obligé de faire un... Oh putain, attends, non, je suis pas soigné. N'empêche, vous avez remarqué quand même, on a fini le combat avec canapé full life. Tu vas devenir sourd. Avant... Comment ça, 4000? Oh non. Oh non, putain. En vrai, je pensais que... Je t'encourage, Fifou défonce, nuit j'en peux et plus. Hommage, sinon bon, on va où maintenant? Oui, j'ai vu que vous étiez 4000 poules bleues, du coup, ça veut dire que je dois faire Pokémon Donjon Mystère. J'ai vu. J'ai vu, comme promis, aussi, je n'ai qu'une parole. Avoir un masque coronavirus Donjon Mystère. Les mecs, je n'ai qu'une parole. Attends, je dois aller où par contre? L'annulation est confirmée sur les sites officiels plus petits que 3. L'annulation de quoi? Je sais pas où je dois aller. Attends, il m'a dit. La bibliothèque. Ah oui, la bibliothèque, je suis con. Oui, bah chais. Non mais en vrai, je vais être très honnête avec vous. J'avais prévu de faire Pokémon Donjon Mystère, mais juste pas tout de suite. Mais le problème, c'est que je voulais attendre genre le mois de mai, tu vois. Ouah, Val! Gars, qu'est-ce que tu fais? La merde, ce Pokémon. Sans pression, P plus petit que 3, toujours un plaisir de suivre tes lives. Évite de me déranger quand je dis merci du fond du cœur, mec. Faut pas faire des dons comme ça, les enfants. On ne passe pas. Je vais encore avoir un combat de boss. Mais oui, mais putain. Non, c'est bon, il a Herbizarre. C'est bon. Herbizarre, ça va. Merci du fond du cœur, Valentin. Ou Val. Enfin, je sais pas comment tu t'appelles. Valou. Ça peut être Valérie aussi, hein. Carabaf. Est-ce que je viens de faire ça? Ouais, je crois que je viens de faire ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais ouais, hein. Non, mais je suis... L'objectif, maintenant, c'est le thé détox. En vrai... Mais ok, mais que sur Instagram. Je ferai pas un vrai pas... Enfin...
vais pas me mettre à faire des partenariats pour du thé détox sur ma chaîne YouTube, les mecs. Sur Instagram, pour la blague, pourquoi pas. Macronium. Non, mais il a vraiment que des Pokémon de merde, ou ça se passe comment? Le thé détox. N'importe quoi. Furisson. Oh, bah c'est mignon, il a tous les... Coucou, tu dois aller à la bibliothèque de Jolie Berge. Merci, une boule de papier. Merci. Mais du coup, j'ai trouvé. Mais c'est très gentil. Merci beaucoup à vous. Merci de votre soutien. J'ai pas dit aussi, mais c'est vrai que ce week-end a été incroyable parce que j'en profite pour vous faire un petit... Merci, coronavirus. J'avais vraiment peur que, comme c'était ma première convention où j'étais tout seul, enfin, il y avait rédemption et tout, mais j'étais sans trash en fait à côté. J'étais en mode, vous allez être 12 à venir quoi. Enfin, je pensais qu'il y aurait un peu de monde, mais genre vraiment en mode les mecs les plus déterminés. Il y avait une queue énorme et on devait refuser des gens à la fin, à des moments, donc voilà, merci. C'était ouf du coup, j'ai trouvé ça ouf. D'ailleurs, il faut que je vous montre... Attendez, les mecs, vous n'avez pas vu un truc que je voulais vous montrer. Que je vais... Qu'il faut que je lance... Attends, Rédemption. Bon, alors, vous avez vu Rédemption, donc vous vous doutez de ce que c'est. Mais... je vais juste vous montrer un truc. Parce que c'est maintenant, les gars, que vous pouvez le faire. Donc, clairement, capture d'écran... Écran 2. Ça ne marche pas. Si, ça marche. Les mecs. Oh, le Toxic Scarcoco. Et ça va se finir littéralement avec un Dratak qui a un point de vie. Le retour du STT. Vous voulez tenter votre chance, les mecs? Vous pensez que vous êtes meilleur que les autres en stratégie? Voilà la meilleure occasion de le prouver. Avec le STT numéro 3. 7 tiers. Merci. Uber. Overused. Underused. Rarely used. Little Cup. Monotype. Et VGC. Un live par semaine durant ce tournoi à partir du 15 mars. Le STT 3, les mecs. C'est ça. Et les inscriptions, du coup, vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Les liens sont dans la description de la vidéo que je vous mets dans le chat. Et on reprend le live. Désolé. Voilà, donc j'espère que vous êtes hype. Ça devrait être très, 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 très cool. Je vous mets le lien dans la description là maintenant, donc vous pouvez aller voir la vidéo et du coup, il y a tous les liens nécessaires. Si vous pensez que vous êtes fort en stratégie et que vous pouvez gagner le tournoi que je mettrai du coup évidemment sur ma chaîne YouTube, eh ben, n'hésitez pas. Ah oui, c'est vrai. De rien, Fidou, je t'aime aussi fort que l'Europe fort. Merci beaucoup. Lidu, t'es vraiment très gentil, mec. C'est un peu trop ce que tu fais, mais merci. Allez, Cleaver, on l'a pas trop vu encore. Sinon, tu fais une story également sur YouTube pour le thé, pour le lol. En story YouTube, ça va. Bon, bon, on danse là, mais on y va. Hein. Non, parce qu'il va avoir des Pokémon. Merci du fond du cœur, en tout cas. Voilà, il a Galifeu, c'était ça, j'étais sûr. Mais voilà, bah j'espère que ça vous hype. Redemption a vraiment mis les petits plats dans les grands cette année, parce que vous voyez qu'il y a un trailer et tout. Lui, il va faire des lives, moi je vais faire des vidéos. Vraiment, hein, si vous voulez vous montrer dans la communauté Pokémon salé, notamment la communauté française de Smogon, n'hésitez vraiment pas, parce qu'il y a moyen que ce soit incroyable. Si vous voulez montrer que vous avez le niveau... Inscrivez-vous et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça va, hein, le coup critique, Primplouf? Voilà,
Allez, maintenant on retourne sur le... Est-ce que tu feras un live Twitch après? Ouais. Ouais, ouais, je ferai du... Je ferai du... Parkitect, vous pouvez arrêter les gros dons, s'il vous plaît? Merci, c'est la mèche de cheveux. Merci du fond du cœur, mais ça suffit. Je... Trop de soutien, là, on va dire. Bah, je vous dois bien ça. Je vous dois tous les mecs dans ma vie, donc je veux dire, je peux bien faire Pokémon Donjon Mystère pour vous faire plaisir. Clairement. Mais arrêtez de dire oui, go Mystery Donjon, j'ai dit que j'y allais. Alors, ça suffit maintenant. Qui ici pense s'inscrire? Qui ici pense s'inscrire? Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, vous mettez oui ou non. Hein. Il y en, je sais qu'il y en a qui voudront pas s'inscrire. Mais qui aimerait s'inscrire? Chimpanfeu, on va mettre. Ridicus. Ah, vous êtes quand même. J'ai presque l'impression qu'il y a une majorité de gens qui veulent s'inscrire, tiens. On voit tous les starters de la génération, enfin de toutes les générations. Non, je suis claqué au sol. Alors, vous serez pris si vous êtes fort, hein, les mecs. Hein. Donc, va y avoir des... Oh non. Ah putain, attends, va y avoir un défi stratégique, là. Attendez, je retourne me soigner vite fait, parce qu'il va y avoir un défi stratégique. J'en ai marre des boss. Ma vie, c'est affronter des boss. J'économise 30 euros sur une figurine déjà en rupture, donc voilà un pourcentage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. Alors. Bon. Putain, mais... J'en ai vraiment marre, parce que j'ai l'impression de passer ma vie à faire des... Voici donc le sujet de nos expérimentations. Je suis la deuxième partie de ton grand défi. On est venu s'enfermer sur les mythes de l'espace-temps, on a trouvé ce qu'on cherchait, maintenant j'ai besoin de distraction. Encore un boss, putain! Ah, il y a trop de boss. Franchement, c'est un peu too much. Moi, je danse là, hein, j'en ai rien à foutre. Oh non, c'est une team disto. Oh putain, il a disto, piège de rock. Tu vas voir que là, il va avoir explosion. Non, ça va, j'y reballe, c'est Osef. Alors, attendez. Distorsion, ok. Donc, il a une team distorsion. Donc, distorsion, 4 tours. Piège de rock. J'y reballe. C'est chaud comment Harry TV est minuscule comparé à toi sur la photo d'Insta. Numéro 2. Prochain tour, c'est fini. Donc là, en fait, je fais super potion pour récupérer ma vie. J'ai pas envie qu'il arrive avec un Pokémon. Et les mecs... Ah, vous êtes gentils. Allez, play croix, c'est parti. On tue, on est à plus 6. Oh là là, trop bien. Il a sa team disto, et puis nous, on arrive et puis on le défonce avec sa B-pomme rose. Allez, je suis à plus 6, mec, au revoir. Et ouais, non, mais c'est bon, là. Steelix. Oh là là. Casse-brique à plus 6. Harry TV, du coup, quelqu'un disait qu'Harry TV était plus petit que moi. Mais les mecs... Ah là. On a voulu faire un peu dans le moderne là. Oui, Harico TV mesure 1m70 et je mesure 1m95. Il est aussi quelqu'un d'assez mince. Donc effectivement. Ah, vous avez peut-être pas vu la photo, mais en vrai il est nul sa team. Enfin, pour l'instant c'est nul. Hein. Mais du coup, effectivement. Je vous montrer la photo en fait. Les gens parlent d'une photo qui a été prise hier. En gros, la photo c'est ça. Donc effectivement, il y a une différence de gabarit, hein, je pense qu'on peut le dire.
entre moi et Haricot TV, hein, évidemment. ce qui ne le rend pas aussi un homme moins bien, hein. Il est très gentil, Haricot TV. Allez, Kazurik. Le titan colossal. Petit passier. Merci encore pour le nouveau. Retirons-nous au QG. Heureuse de t'avoir vu, tu es génial, plus petit que 3. Rivamar. Ah, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que le Noctali était un peu... As-tu encore des Pokémon Strata donnés sur EB? Non. En live? Non, je pense pas que je referai. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Enfin, presque tout. Et il me reste pas assez de quoi faire un live, donc... Les stratèges Pokémon sont petits. Oui, voilà, hein, finalement. Hein. Ça veut dire que moi, je fais pas de stratégie. Merci beaucoup. Alors, Rivamar, il m'a dit. Celestia... Voilà Rock, Rivamar, d'accord. Donc maintenant on doit retourner à Rivamar. Donc on doit passer par... Enfin on doit aller à Rivamar. Frère, tu fais la taille de ma tub. Eh ben... Tu es très mal équilibré, mon ami. Comment t'as fait pour être aussi grand? Alors en fait il y a un truc, les mecs, ça s'appelle la génétique. Et je sais pas ce que j'ai fait parce que je ressemble à personne dans ma famille, donc voilà, je suis peut-être adopté. J'espère que je suis pas adopté. Ok, ça y est. Ah putain, ces zones, les mecs, la première zone du live. Vous êtes prêts? Ah putain. Allez, c'est parti. Je ferme les yeux. Oh, c'est trop cool, Magneton. Ok. Oh, Magneton, c'est vraiment cool comme poké. Je vis à New York et même avec le décalage, je te regarde tout le temps. Oh, surtout si on peut avoir Magnézone. Merci beaucoup, mec. Puis bisous à New York. D'être le grand seigneur du type acier plus petit que toi. Oh là là, Magneton. Merci beaucoup. Comment on va l'appeler? On va l'appeler... On pourrait l'appeler Trissom. Mais finalement, nous, on veut pas l'appeler Trissom. Nous, on est cultivés, nous. Nous, on parle pas de Trissom, nous. On parle de... Ouais, ça me va. Hein. Ouais, trio cul, hein, ça me semble pas mal. Hein. Trio cul. Oh, il a manié piège. En vrai, manié piège, c'est stylé. Attaque SP 132. Coup de jus, lumino canon, extra senseur. Bon, voilà. Il est déjà prêt, presque. Hein. Regarde, hop. Trio cul. Ah, il y avait Béquipant aussi. Ah, il y avait des Pokémon cool. Petit joueur, je fais 2m2. C'est pas un concours. C'est pas un concours, la vie, tu sais. Il y a des gens qui font 2m50. Luxray, je le touche pas. Si Magneton, c'est un trisome, est-ce que Magnézone, c'est une branlette? Répondez aux gars dans le chat, hein, je pense que on a un débat là. On a un vrai débat, il y a les débats, les gens veulent savoir. Junko, bon bah écoute mec, t'es un peu dans la merde en fait. Petit passé. Quoi? Ah, il est dragon maintenant. Oh, il a danse dragon. Ah, les vrais bails. Ah oui, d'accord. Ça va Richard Emilien, on te dérange hein. Tu me dis si je te dérange Richard. Oh putain, un crit et j'étais mort. Oh, je l'aurais tellement mal pris. Là, j'aurais hurlé, je pense. Heureusement que j'ai pas hurlé pour ma voisine. La moyenne en France, c'est 1m76. Ouais. Ouais.
Après, la moyenne en France, elle devrait monter un peu plus avec les années. Parce que là, les enfants ont tendance à être un peu plus grands. Genre, je sais que chez les 20 ans, la moyenne est plus proche d'un mètre 80. Mais... C'est parce qu'on est plus en santé que nos parents. On a moins de problèmes à la naissance. Enfin, il y a beaucoup de trucs comme ça, l'histoire de problèmes à la naissance. Quand t'as des maladies infantiles aussi, ça peut faire... Tu peux vite, du coup... Tu peux avoir des trucs qui affectent ta croissance, on va dire. Ah bah ça, c'est un peu emmerdant. Je sens que le niveau des blagues va grimper. Ce serait bien, hein. Alors on va mettre des danse-flammes. Oh non. Oh, il rate l'hydro-queue, parfait. Oh là là, il est type ténèbres. LOL. Tu mesures combien? Je te voyais pas aussi grand. 1m95. Oui, non, mais les gens pensent que je suis... Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent « J'avais l'impression que t'étais petit et gros. » Alors, je sais pas si je suis gros. Je me trouve assez gros, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis pas petit. Ça, c'est difficile. Ah bah, c'est bien pratique, là, les Léviators de type ténèbres. Merci pour le changement de type, hein. J'apprécie beaucoup. J'en ai marre de la pêche, on se fait un petit combat. Allez. Octiliris, ça a pas accès à des attaques de type feu. Non, il a fait essorage. Je suis toute petite, j'ai 20 ans et je fais 1,59 mètres. Je suis née au Vietnam. Ah bah on parle souvent, vous me parlez souvent de Lady Sunday, elle fait même pas 1m60. Oui, pour Brizoul, intimidation. Oh. Vérifie si tu veux émoticône clignant de l'œil plus petit que 3. Bah, il s'est fait intimider, je crois, donc... Oh, il a raté son attaque. Je vais être honnête, je t'imaginais 1m60, 95 kg. Non, moi, c'est plus 1m95, 95 kg. Quillfish. Ah, Quillfish, c'est compliqué. Hein. Oh, on aurait dû regarder, du coup. Bon, c'est pas grave. Bah, je pouvais pas savoir. Tu es bien renseigné. Bah ouais, c'est... Ça m'a fait marrer. Quand la première fois que j'ai vu, je me suis dit, putain, elle est tellement petite, je lui ai demandé sa taille, tu vois. Tu es un tronc. Non ! Non, c'était mon meilleur poké. Oh putain, mais non, c'était mon meilleur Pokémon, mais j'en ai marre! À chaque fois que je... Putain, mais prélèvement du destin, ça devrait être interdit. Oh, il était tellement fort! Il était parfait, ce Pokémon! Il y avait que ça qui pouvait le tuer. C'était le seul moyen que ce Pokémon meure, et il est mort, quoi. Je suis dégoûté. Ah, le seum, mais putain, mais non, mais pas lui. Non. Oh putain, mais le seum que j'ai, il y a Tintercidaire. Mais non, mais en plus, putain, mais... Et maintenant, il va y avoir des schémas. Non, c'est bon. Merci. Oh putain, mais je peux jamais avoir une team bien à cause de... Putain de merde.
C'était l'élu, mais c'était tellement l'élu en plus. Oh là là. Putain de merde, je suis trop deg. La malchance, quoi. Canapé. Oh putain, mais lui en plus, il était. Enfin, je pense que c'est le. Toutes les autres morts, ça allait sauf Canapé. C'était vraiment le seul que je voulais pas perdre. Malédiction. Putain, je suis deg. Eh, en 4 ans, première fois que je te vois en live. Merci pour tout, plus petit 3. Merci beaucoup. Petit passier. Il est mort pour notre maître, Che Guevara. Petit passier. Ah, putain. 1m95 et 95 kg, Phil Brown, c'est un Joe Star en fait. Oui. Petit passier. Oh, putain. Che. Non mais c'est abusé en vrai, fin fuck quoi. Je peux jamais me reposer quoi, y'a jamais de moment où genre je suis safe. Putain. Philo il s'est rempli de son safe, il fait actuellement 2m50 mais tellement. J'ai 10 minutes et quand je reviens je vois ça, rip canapé émoticône triste. Putain mais C'est vraiment abusé que ça arrive comme ça en vrai. Un random quillfish niveau 50, enfin je sais pas qui fait. Qu'à tanker à 2 PV, quoi. J'aurais dû... En fait, il faut checker ces trucs, quoi. Putain, je suis deg. Est-ce que j'aurais vraiment pu savoir... Enfin, non. Je sais pas. Ah, oh, putain. Je suis trop dégoûté, en vrai. Alors, la Japan, beaucoup de cadeaux. J'ai eu des très, très beaux cadeaux, oui. J'ai eu une peluche trop stylée. J'ai eu un Magikarp en 3D, des dessins, j'ai eu plein de trucs. C'était trop cool. Mais là, je suis plus dans mon seum, en fait. Enchaîner 3 boss et mourir sur un Quillfish. Non, mais c'est ça, en plus, c'est que, littéralement, ce Pokémon me sauvait tous les boss. Tout seul, avec... Putain, mais... Ouais, enfin... Ouh, bout de feu. Non, mais bout de feu, c'est pas une bonne idée. Ah putain, je suis deg. En plus, c'était mon plus haut niveau en plus. Oh là là. Un de perdu, 10 ans trouvé. Il faudrait qu'on en retrouve un en vrai. Mais le problème c'est que c'est un Nuzlocke, donc je peux pas choisir à quel moment je vais avoir ce Pokémon, les mecs. Donc c'est putain. Il reste tellement de dresseurs en plus là. Oh là là. Ah putain, c'est vraiment... C'est terrible. C'est terrible en fait. C'est terrible ce let's play. La mort ou le chiché. Petit passier. Pour te consoler, je vais écrire une ficardie à oeil entre toi et Harry. Mais non, mais quoi? Petit passier. Plus que 500 likes pour le TD Tox. Allez les gars. Ouais, je crois que là, j'ai besoin de tes détox pour évacuer le sel, en fait. Parce que là, j'ai l'impression de suer du sel actuellement, en fait. Non, mais vous rendez compte quand même que j'ai entraîné 5 Pokémon. Il y a déjà 2 morts. Il est 22h17. Il me reste 40 minutes de live. Non, mais c'est quoi le truc? Je perds un Pokémon toutes les 30 minutes. Je deviendrai maître du monde en utilisant que des Pikachu, d'accord. Un Remoraid. Ah putain. Fuck. Yeah. Enfin, fuck. Oh. Stylé. Attends, il y a un truc là. Là, va y avoir une Poké. J'ai plus surf. J'en peux plus de ce jeu. J'ai plus surf parce que j'ai l'autre qui est mort. J'ai plus surf. J'en ai trop marre. Je peux même plus surfer. Est-ce que je tente le combat double? On avait dit que Kaibitus Ernestine c'était pas mal. Putain le seum. J'en peux plus.
Je peux plus surfer. Oh. C'est pas grave, on reste calme, c'est l'important. Deux doubles faiblesses au type. En vrai, je pense qu'on le tue quand même. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui te donnent du sel en convention? Oui, ça arrive régulièrement. Oui. Ah ouais, parfait. Putain, je suis tellement dans le mal. Faut one shot, faut focus Electek. T'inquiète pas, Fizzrung, le chat te soutient à 85%. 85%. Le Chedan a frappé. Et là, il me fait... Bon, c'est Baby Manta, donc ça tape comme un caca, donc ça devrait aller, mais... Là, il va faire une attaque haut. Oh. Oh, j'en peux plus de ce jeu, les mecs. Mais non, il a Dracofeu. Alors que ma seule option, c'est Cisaiox. Qu'est-ce que je fais? Oh, mais non, sauvez-moi. Canadé, une légende partie trop tôt. Après Magneton, je prédis une légende. J'en peux plus. Merci pour vos dons, mais je sais pas trop quoi dire. Attends, j'ai rayon j'aime. J'ai rayon j'aime pour one shot l'autre connard de Dracofeu. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a le soleil, il y a le soleil. Mais là, s'il me crit. Un crit et tu meurs. Ouais, bah c'est ça, hein. Toujours, hein. Ouais, c'est ça. Bon, par contre, les dégâts, voilà. J'ai dû m'accrocher fort à ma bouée. Putain de merde, ce... C'est bon, là. On est d'accord. Ah non, il me reste encore deux dresseurs. Franchement, je me demande si c'est pas un record. Hein. Eh, ouais, heureusement qu'il y a eu le soleil. Hein. Sans le soleil, franchement, je crois que c'était vraiment tendu. Hein. T'as pas un multi-ex... Mais tu veux que je mette le multi-ex sur qui? Pour l'instant, c'est pas intéressant, si tu veux. T'es un génie, tu m'as fait kiffer la strat Pokémon. Continue comme ça, plus petit que 3. Merci beaucoup. Petit passier. Chez. Merci des Capfour. Plus que 300 en LT détox. Oh mais putain, mais il a piqué pense. Sous la reine, ça va faire tellement mal en plus. C'est une mauvaise idée, non? Je veux y croire. Ça va, il a fait vent rien. Regardez. Trio Q, il vient d'arriver, il montre déjà sa puissance. Oh là là, il montre déjà sa puissance, Trio Q. Tritosaur, t'es sérieux, gars? Putain. Tritosaur sous la reine, oh là là. Faut que je le toxique. Non, mais il a 4 poké, le gars! Oh, il est accroupi aussi. Oh, ça va faire tellement mal aussi. Bon, il faut que j'enlève la para. J'ai pas le choix. Oh, ça va faire mal. Mais qu'est-ce qui m'arrive ce soir? Mais pourquoi ils font ça? Je demande, vous savez, moi je demande pas grand chose dans la vie. Bien manger.
Il peut me faire accès à Pokémon. À quel moment Putain, et la précision qui baisse maintenant, mais... Oh, si on fait vol en deux tours, l'avantage c'est que du coup, je devrais récupérer assez de vie pour tanker un éventuel crit, non? Oh, je crois que ça suffit pas. S'il me crit là... Non mais ça va, je vais le tuer avec vol. Ok. Team Rain de l'enfer. Ok. Tartar, mais Tartar... Voilà, le problème de Tartar, c'est que ma... ma meilleure option, c'est faire vol. Sauf que j'ai baissé... Il m'a baissé ma précision. Oh non, oh je suis mort. Si je rate le vol, je suis mort. Si je rate le vol, je suis mort. Oh non, putain, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Vraiment, s'il te plaît. Oh putain. Ernestine, les Ernestine. Clutch à chaque fois. Les Ernestine à chaque fois, les mecs. Bon, il faut vraiment que je me casse, par contre. Kravos. Je suis obligé de mettre ça, hein. J'ai pas le choix. Petit passier. Tu as un fantasme particulier que je puisse le mettre dans le garage ainsi que toi. Très bien. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Expliquez-moi ce que j'ai fait! Je demande. Mais c'est 30% de précision, guillotine! Oh putain, il fait abri! T'as hésité, fallait mettre Cleaver. Oui, mais j'étais en mode one. Enfin, je... coup critique. C'est pas très efficace. Oh là là, ébullition. Bon, ça va, ébullition, ça va faire zéro. Attends, il est type quoi maintenant? Attends, type combat, je pense, ok. Oh putain. C'est bien, double abri, ça, tu t'amuses, mec? Oh putain, Marin Oscar, quoi. C'est bon là? Dis-moi que j'ai pas un combat après, parce que sinon je vais vraiment m'énerver. J'ai un combat là, en arrivant. Petit passier. Ça me rappelle ON 7,8. Il a duré encore moins longtemps que Ferdinand XD. Non. L'énergie de tes Pokémon. Je suis Roswell, je parcours le monde à la quête d'un adversaire. Non. Oh putain, merci. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur, c'est bon. Oh, il y avait un bruit de légendaire, mais je suis trop nul pour savoir qui c'est, donc... Merci beaucoup pour ton don. Je suis désolé, j'ai du mal à répondre, mais c'est parce qu'il se passe beaucoup de trucs en ce moment, donc... À quel moment je suis supposé... Merci beaucoup. Attends. Dans ces moments-là, les mecs... Voilà. Bon, les mecs... J'en peux plus. J'ai encore eu des morts. Au fait, allez tous regarder Jojo, c'est le meilleur anime ever. Ah bah d'accord, bah skip. Petit passier. Oh putain. Bon les mecs. Tu vas être Quitalti Platinum si ça continue. Non, c'est le jeu. Tant qu'on a une chance, on continue. Bon les mecs, il nous faut un nouveau Pokémon. Attends. Comme ça, déplacer Pokémon. Ok. Il nous faut un nouveau Pokémon. Ça, c'est les morts. Rien qu'aujourd'hui, 3 Pokémon morts. La semaine dernière, 4 Pokémon. Et voilà, bon, c'est déjà compliqué. Bon, alors, on a ça de disponible. On a quoi? On a acier, insecte, sol. On pourrait mettre low class en vrai. Hein. Low class? L'eau classe, c'est cool en vrai.
Mais le problème de l'Oclass, c'est que c'est long à level up, c'est chiant. Ils ont changé le type de poissirène, non? Mon Loclass est rigide en plus, ouais. C'est ça le problème. J'ai vraiment pas de la j'ai vraiment pas de chance avec mes stats. J'ai beaucoup de types poison. J'ai beaucoup trop de types poison. C'est pareil, j'aimerais bien avoir Nidoking, mais bon, j'ai déjà un sol, j'ai déjà un poison. Fan de PDM, sinon. Hein. Ce serait pas... Ouais, mais c'est pas... Lui aussi, mais putain, mais... J'ai combien de Pokémon avec des natures négatives? Regardez ça! Nature négative... Non mais c'est insane en vrai. Nature négative, j'ai vraiment pas de chance. Nature négative, nature négative, nature négative, nature négative, nature négative. Non mais attendez, c'est une blague ou quoi? Nature négative. Oui, merci beaucoup. J'ai tellement de nature négative, c'est ouf en vrai. Je vais... Oui, va pêcher dans... En vrai, on va pêcher dans la ville pour voir si on trouve pas un truc. Est-ce que je peux pêcher dans cette ville, les mecs? Est-ce que je peux pêcher quelque part ici? Au nord, tu peux pêcher, d'accord, on va aller pêcher. Compliqué, hein. Ouais, on va essayer de capturer. En fait, j'aimerais bien avoir un bon type eau dans ma team. L'arène est fermée, alors attends, qu'est-ce que ça dit? Ma soeur est presbyte, du coup, elle voit mal. Mais réveille-toi, connard de Togekiss de merde! Mais réveille-toi! Hola, mi amigo, como estas? Saludos de mi. Ah là là, ça faisait longtemps le gringo, ça va, gars? Tu vois ce marchand de seaux? Merci beaucoup en tout cas. Et oui, ça va bien. Enfin, ça va bien. Ça va bien, mais en même temps, un ruban est fort. Non mais merci quoi. Ruban est fort pour Typhlosion. Parce qu'il accomplit des efforts. Et, super, merci quoi. La mer est un endroit super pour les vacances. Commence à bosser, ouais. Ok, allez, objet rare. Attends, c'est qui mon Pokémon premier? Ouais, non, attends. On va peut-être pas mettre... J'ai quoi comme canne? En vrai, ça pourrait être bien d'avoir un Léviator. Léviator, ce serait tellement bien. Bon, je tente la canne pour avoir un Magikarp. Niveau 47 en plus. Parfait. Léviator type eau ténèbres, genre je pense que c'est le type parfait pour ma team. Parce que du coup c'est immunité psy et toutes les résistances au type eau qui me met mal. Les mecs, il est temps de ressusciter Vladichon. Vladichon, je rappelle, le mix entre Vladimir et Pichon. Vladimir et Pichon se sont alliés pour créer Vladichon. Et non, il n'y a pas eu de pub. Oh, il a une bonne nature. Les mecs. Bah, il va évoluer vite, là. Faudrait que je le fasse évoluer. Attends, qu'est-ce qu'elle veut, elle? Elle veut me combattre? Attends, je vais mettre le multi-exp. 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 Cette ville, je m'y sens un peu chez moi. Tu n'as pas le badge Zamer, tu vas devoir faire demi-tour. Ah oui, parce que je peux toujours passer. Ah si, bah si. Est-on en mesure de dater le tout premier chèque que tu as reçu? Ça date d'il y a environ un an. Avant mon voyage au Japon, je recevais aucun chèque. Ok. Bon les mecs, il faut qu'on chope le Léviator. Bon là il va évoluer là, c'est évolution niveau 20. Mais alors comment je le fais évoluer le Léviator?
Ah ouais, mais c'est long à faire évoluer. Bon, attendez, il faut qu'on le fasse évoluer. Nous faut un Léviator, nous faut un Léviator. En guise de soutien, je t'offre 5 euros par Pokémon mort dans ce live. Merci. Attendez, il n'y a pas des herbes à la con, là. Les mecs, il faut qu'on revienne, là. On va accélérer un peu et puis on y va. Ça devrait pas être trop long. Ça va, les types électriques ici? Ça se passe comment? Oh là, il a tanké. D'où? Ah mais il a intimidation, putain, bâtard. Pourquoi il n'y a que des types électriques de l'enfer du cul? Ça va je vous... Non mais vous me dites si je vous dérange. Mais attends, mais je... je suis là à galérer alors que... je suis en train de m'entraîner, je suis en train de galérer. Il est bientôt au niveau supérieur ou pas? 2539. Bon, attendez, on va utiliser une potion, hein, parce que voilà, faut croire que je n'arrive pas à... C'est vrai que j'ai les restes. Bien pratique, ça. Allez, il va bientôt passer. C'est bon. Vladichon, niveau 48. Oh, Vladichon, le sauveur de notre Nuzlocke. T'as un super bonbon, mais je vais pas utiliser un super bonbon, je vais pas gâcher un super bonbon sur ça. Super bonbon mongol. Mais c'est les mecs qui disent super bonbon qui sont mongols, je vais pas utiliser un super bonbon du niveau 47 au niveau 48, c'est pas rentable. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oh, il est aux ténèbres. Oh oui, il a brise-moule. Ah oui, d'accord, c'est le méga en fait. J'aurais préféré intimidation quand même, mais bon. Le maître des compacités. Ouais, le maître des capacités. Calmez-vous sur les dons, s'il vous plaît. Ah! Ah, Bezos en la casa de Balto. Non mais. Ok. Les mecs. Vladichon, c'est maintenant. Oh oui. Oh oui. Alors, oui. Danse Draco, tu apprends. Ok. Morsure, tu vas apprendre aussi, même si c'est pas incroyablement puissant, c'est mieux que rien. Oh là là. Mania, je suppose. Bah, c'est mieux que fléau et contre. Hein. Et attends, parce que du coup, je peux lui apprendre. Attendez. Oh mais j'ai cascade je crois que j'ai cascade. Oh, putain ouais. Ok. Oh là là, Vladichon cascade, ok, ensuite. En vrai, anti-brume, c'est fort quand même, hein, dans ce méta où tous les Pokémon ont piège de roc dans les boss, mais bon. On a éboulement, on a séisme aussi, je pense que je vais mettre séisme. Séisme très bien sur Léviator. Séisme qui est une bonne option sur Léviator de base. Alors bon, en aventure, c'est évidemment très fort. Et ensuite, il manquera... Bah du coup, il est au ténèbres. Donc du coup, il faudra juste... faudra mâchouille, quoi. Attends, il apprend pas... une bonne attaque de type... Il apprend Larcin ou pas? Parce qu'il est type ténèbres. Ah, mais on peut mettre Larcin sur Cisaiox, c'est vrai. Dégommage. Griffon. Non, il apprend rien, là. Il a cage éclair. Éboulement aussi. Je peux mettre... Éboulement, mais bon. Non, mais c'est bien ça. Allez. Ouais, bah putain. Pour compenser le mac de place... Ok. Pourquoi surf? Bah, je vais en avoir besoin pour surfer, mais pour l'instant, non, pas surf, non. Ok. Mais là, j'ai pas de Pokémon qui peut surfer, donc en fait, de toute manière, il me faut un Pokémon qui surfe, je pense. Hein.
Pour continuer l'aventure, je suis obligé. Je vais aller chercher un Pokémon qui peut surfer dans ma boîte. Hein. Bah, vous savez quoi, low class, ce sera mon C-Slave. Voilà. Mon nouveau. Parce que je crois qu'il peut apprendre... On lui laisse Requiem, hein, parce que c'est fort. Ah mais attends, force, c'est type combat maintenant. Donc je pourrais l'avoir sur Cleaver. C'est mieux que... Ouais, bon. Ok. Allez, on est bien. Tu gagnes du temps. Bah non, mais il faut bien que je prépare ma prochaine équipe, les gars. Je veux dire, merde. Alors, on va où maintenant? Y a d'autres trucs à faire dans cette ville ou pas? Peut-être là-bas, là. À droite. Ah oui, attends, il y a des trucs là-bas. Bonjour. Cet immense rocher, et si c'était un Pokémon? Peut-être. Je suis surpris. Oh, la CT15. C'est quoi? Ultra laser. Ah! Attends, c'est un... Maintenant, c'est devenu un Dracométéor de type normal, c'est pas mal. Enfin, pas mal. Ça aurait été bien sur mon Pokémon Brouabam, qui est mort. Vous avez 5000 pouces bleus. Vous voulez que je fasse la demande de T-Detox? Ah, mais c'est le phare. Oh putain, c'est encore un combat ça, je pense. J'ai que 3 Pokémon, les mecs. Hein. Oh putain. Non, mais c'est chaud là. Je suis vraiment pas prêt. Oh là là. Il y a toujours des boss et tout. Oh là là, c'est de toi dont on parle partout, QG. Je suis chaud comme la braise. Oh non, putain, c'est une sun. Oh, mais j'ai perdu. Oh non. Oh putain de merde, j'ai lead avec Sisyphus. En vrai, j'ai Kaibitus. Il me baisse mon attaque spéciale avec ça. Hein. Un peu bâtard, mais bon. Super aventure. Bah... La ceinture force, évidemment. Hein. On connaît les bails. Hein. Oh non, putain, c'est bon. J'ai eu peur, j'étais en mode what the fuck. Si là, je le tue avec... avec une attaque, on est d'accord. En gros, ce qui va se passer, c'est que... Donc, je le tue avec Ébullilave. Voilà. Donc j'ai plus de PP de d'Ébullilave, mais bon, comme c'est une Team Sun, ça devrait... Ah mais non, parce que il va avoir des Pokémon... Mais je suis trop con. Mais il va avoir forcément des Pokémon de type plante. Camerupt. Ça y est, la sponsor du T-Detox sur une story YouTube plus petit que toi. Ça va être bataille de séisme, les mecs. One-shot le... Juste, c'est encore le mieux à faire, c'est de le one-shot. Ok, merci. Oh putain, c'est tellement compliqué. Ok, bon, pour l'instant ça va, je suis full life. Démolo, ça va, pour l'instant ça va. S'il a que des Pokémon feu, j'ai séisme et rayon gemme s'il a Draco feu. T'as eu un PP max à l'île de fer, c'est vrai. Mais je garde ça pour la ligue parce que pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin. Electrode. C'est pas incroyablement fort. Ah ok. Oh les dégâts. Il est type feu. Electrode est type feu maintenant. Sérieux. Ils ont changé le type d'Electrode. Il est type feu. Merde. Alors attends. Maganon.
Faut que je me soigne. Hein. Bah Maganon il me touche jamais. Hein. Maganon ça touche pas Kaibitus surtout pas. L'explosion t'aurait défoncé. Mais l'explosion est pas de type feu dans ce jeu les enfants. Hein. Je sais pas où vous avez lu ça mais... Rate ton attaque, s'il te plaît. Mais c'est insane, c'est le gars. Bon, de toute façon, je le dépasse et je le tue avec séisme. C'était quoi ces dégâts? Il est type... Vous pensez qu'il est type... Il est forcément type feu combat maintenant. Pour faire autant de dégâts. Parce que Psycho, c'était pas stabé et ça faisait 90... Exploforce c'est 120 donc je veux dire ça aurait pas infligé deux fois les dégâts. Galopa, putain. Galopa le problème c'est qu'il a l'attaque il... En vrai j'ai besoin de me soigner mais... Il est pas type sol, il peut pas être type sol, c'est juste son coverage de type sol. Ah bah je le dépasse de toute façon. Ok. Non mais je sais qu'il a tunnelier les mecs, c'est juste que bah, j'ai pas le luxe. Parce que j'ai rien qui peut tanker une déflagration sous le sun, de toute manière. Enfin, une déflagration, une... Bien vite. Putain, c'est bon. Oh, putain. Tu pourrais passer par l'arène. Sur ce, à la revoyure. Fifou jette un coup d'œil dans les jumelles. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a Rosa, Flora, Mina, fini en A. Non, mais attends, mais elle m'attend. Elle m'attend au sommet de la cascade. Elle m'attend au sommet de la cascade en mode... Fifou, je ne suis pas loin. Aurore. Ouais, mais voilà quoi, c'est pareil. Aurore, donc pas de A. Bah dans Aurore, il y a un A. Donc au final, vous avez tort. Alors attendez. Je voulais aller voir la... Je voulais aller voir la... On fera l'arène la semaine prochaine. Parce que là, on n'a pas le temps de profiter bien de l'arène. Là, il y a un truc de ouf. Regardez. Attendez. Un gros champi. De toute façon, là, l'arène, on n'aura pas le temps de la faire. Donc, du coup, on va essayer d'avancer un peu sur la route et faire les dresseurs. Ça me semble être le mieux. Entraîner un peu Vladichon. Allez, c'est parti. Oui, en fait, c'est ça, en fait. Il faut... faut avoir cascade de toute manière, donc... 5000 likes. Oui, non, mais j'ai compris, hein. Du coup, il faut que je... Vous voulez qu'on ait... on envoie le message maintenant? On va pas envoyer le message maintenant. J'enverrai... Je vous mettrai ça sur... Je vous mets ça sur Insta. Allez me suivre sur Insta hein, si vous voulez suivre l'aventure du... Si vous voulez suivre l'aventure du... Du... comment ça s'appelle Du machin. Du thé détox. Vous pouvez me suivre sur Insta. Super. Zone. C'est pas une zone, j'ai capturé Magikarp. Enfin, je crois, non? J'ai changé de zone? Peut-être, hein. Bah, c'est pas grave, je vais le faire, c'est bon, calmez-vous. Mais finis tes phrases. Follow sur Instagram, Fildrong le vrai sur Insta, voilà. C'est bon? Bon, je peux arrêter d'être... paralysé. Parce que bon, c'est lumineon, quoi. Quatre fois de suite? Coup critique? J'étais paralysé 5 fois et il m'a crit. Et maintenant il fait siphon.
Non mais ce jeu m'encule en fait, je crois que c'est ça hein. Merci, merci. Tout ça pour ça quoi. Ah bah, Pokémon de zone. Bon attendez, c'était la zone ou pas? En vrai, vous savez quoi, je le capture au cas où c'est la zone. Attendez. Je suis pas sûr à 100% en fait. On va voir, on va voir. Parce que j'ai pêché juste en dessous. J'ai pêché en dessous. Donc pour l'instant, je lui donne pas de, je lui donne même pas de surnom. Attendez, avant de vous hyper, on attend 2 secondes. Donc, ok. Ah oui, bah c'est bon. C'était bien une zone. Parce que là, je suis à Rivamar. J'ai pêché ici le Magikarp. Et là, je suis dans la zone. Je suis dans le chenal de centre. Donc c'est bien le Pokémon de la... D'ailleurs, bah, on peut le voir là, Vladichon. Rencontré à Rivamar. Et du coup, rencontré au chenal de centre. Donc c'est bien un Pokémon de zone. Ça, c'est stylé. Ok. En vrai, Tentacruel, c'est hyper fort dans l'aventure. Je crois que je l'avais mis dans mon top des Pokémon en Nuzlocke. Grâce à son type, grâce au fait qu'il est facile à avoir et tout. Mais on le stocke pour plus tard. Ah non, attendez, il lui faut un pseudo. Bon alors, on lui met combien? On lui met quoi en pseudo, les enfants? On lui met quoi en pseudo? On va lui mettre... Petit passier. Ah non, mais ça, c'est les façons de cuisiner. J'ai oublié de dire inférieur à 3 dans mon don précédent, donc voilà plus petit que 3. Merci beaucoup, Any Random Player. Allez. Bon, on va l'appeler Pic Toxique. Ah bon, allez, c'est bon. Pic Toxique, c'est marrant. C'est vrai. C'était le nom de mon... C'était dans quel Let's Play, Pic Toxique? C'était dans Blaze Black, c'est ça qui s'appelait Pic Toxique, non? Je crois, hein. Je crois que c'était là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut lui apprendre, lui? Oh, il a tellement des trucs cool. Chute glace. Bah, il a les pics toxiques. Bah, attendez, on va lui apprendre pics toxiques vite fait, hein, quand même, comme ça, c'est fait. Tellement cool, tu lui apprends Bomberk. Tu lui apprends Bomberk, Laser Glace, pics toxiques et Surf, et t'as le Pokémon parfait pour l'aventure. Mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Il a quoi comme nature? Il est neutre, donc c'est bon. C'était dans Mind Crystal. Ah, pardon. Excusez-moi. Il s'appelait comment le Tentacruel de Blaze Black? Je sais plus comment il s'appelait. Merci, finalement. Le Tentacruel de Blaze Black, je sais plus comment il s'appelait. Par contre, ici, c'est pas du tout une bonne idée d'avoir... Putain, mais j'ai tellement hâte d'avoir Vladichon, en vrai. Parce que là, notre seul Pokémon qui gère bien les Pokémon... Enfin, qui peut gérer les types eau, c'est lui, quoi. C'est quand même triste. Raoul? Ah ouais, Raoul, putain. Les noms, vraiment. Non, mais je suis vraiment le pire au niveau des surnoms. Ils sont vraiment tous moches, mes surnoms. Putain, les dégâts, ça va tranquille ou je te dérange? Marest. J'ai pas d'attaque de type plante. Va XP avec les Levenards. Les Levenards, c'est plus très rentable. Ils sont niveau 50, donc vous savez, c'est pas ouf. Hein. Pensez qu'on... Ouais non, on tuera pas avec Vogue Vampirisme. On les retient bien grâce à ses surnoms de qualité. Nageuse Tanya. Tanya. Maintenant, les mobs sauvages sont niveau 55 et j'ai 3 badges, hein, je tiens à le dire. Attendez, on va faire ce dresseur. Mais d'abord, je vais me soigner au cas où il a je sais pas quoi, mais voilà, j'ai un peu peur. Que penses-tu de la propagation du coronavirus? Alors les mecs, coronavirus... Lavez-vous les mains, genre toutes les heures. Premier truc.
ne serrez pas la main, même par politesse. Vous faites des fist bumps. En plus, vous êtes jeune, vous pouvez faire ça aux gens. Hein. Vous faites ça aux gens, pas de soucis. Ça, c'est bon. Pas de... C'est beaucoup moins dangereux. Vous évitez de faire la bise. Vous évitez de faire la bise aux gens que vous connaissez mal. Déjà, c'est pas mal. Et vous faites pas tousser dessus aussi, mais bon, ça, vous avez pas le choix. Mais... Les instructions du gouvernement. C'est pas vraiment des instructions du gouvernement, c'est plus des instructions... genre, comment se préparer... J'ai dit la même chose que... Comment se protéger contre la grippe ou la gastro, si tu veux. Donc, bon... Barbicha. Ou alors vous sortez pas. Alors sinon, vous êtes un gros geek. Et vous sortez jamais. Ce qui est mon cas. Moi, la dernière fois que je suis sorti de chez moi, c'était en 2018. En fait, je me suis fait couper les jambes hein, récemment d'ailleurs, parce que ça servait à rien. Donc voilà, hein, je les garde, je les ai empaillés, hein, je les garde au cas où peut-être ça peut servir un jour, tu vois. Mais voilà, bon, moi je suis content pour l'instant de ne pas avoir besoin de mes jambes. Je pense que ici il y a beaucoup de gens qui voilà, ne sortent pas, tu sors une fois par an, quoi, tu vois. C'est pas mal une fois par an, éventuellement pour Noël. Alors, moi je suis même pas sorti pour le Noël dernier. Voilà, la dernière fois que je suis sorti, vraiment, c'était en 2018. Voilà. Mais voilà. Je croyais que tu faisais 1m95. Ouais, mais en fait, c'est parce que je... Là, vous... En fait, sur cette photo, les gars... on voit pas, mais... en fait, en gros... Déjà, c'était chez moi, parce que moi chez moi, en fait, il y a des gros stickers Japan Tour. Donc, j'avais invité des potes. En fait, ça, c'est pas des jambes, en fait. Ça, c'est... C'est... En fait, moi, je suis un homme tronc, donc, en fait, ça s'arrête... Mon corps s'arrête là, en fait. Mais ça, c'est... On voit pas, mais en gros, ça, c'est... c'est des échasses. Voilà. On me pose dessus quand, du coup, je dois faire des photos avec les gens. Voilà. Mais du coup, voilà. C'est plus pratique, quand même. Bon, allez. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ce live sanglant, hein, comme on dit. Je me suis fait rôter dessus dans le bus par un clochard. Je crois que là, c'est pas le coronavirus dont tu dois avoir peur, mais plutôt toutes les autres maladies. Donc du coup, on va s'arrêter là. On va passer sur Twitch pour ceux qui veulent. Et cette fois, normalement, c'est bon. J'ai pas trop hurlé aujourd'hui, donc ma voisine devrait pas être trop énervée. Donc du coup, je vous dis sur Twitch, les modérateurs vont linker le lien du Twitch. Et aux autres, je dis à demain. Pour un live à 18h, et puis sinon, pour ceux qui regardent que le Let's Play en live, et ben, je vous dis à lundi prochain pour la suite de Pokémon Salty Planium. Merci beaucoup de votre soutien, merci d'avoir été aussi nombreux. Je vous embrasse, et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.